À la lettre H du dictionnaire, on voit historiographie. Qu'est-ce que c'est que l'historiographie et en quoi ça peut nous jouer des tours ? Alors l'historiographie, c'est en effet l'étude de l'histoire elle-même, comment on a écrit l'histoire, selon quelle modalité, selon quel régime à une époque donnée. Ça, c'est l'historiographie. L'histoire de l'art, elle est fille de l'histoire, cousine de l'histoire ? Oui, je dirais plutôt qu'elle est cousine de l'histoire. Cousine de l'histoire. Et elle aussi a son historiographie, c'est-à-dire on essaye de comprendre comment, à un moment donné, on a interrogé l'art. Ça ne va pas de soi. On a toujours le sentiment que, en particulier pour l'historien de l'art, l'historien de l'art pense que les œuvres sont faites pour lui, et que les œuvres sont faites pour les musées, etc. C'est évidemment tout à fait faux, et très longtemps, les œuvres d'art, au fond, occupaient une place relativement mineure dans la vaste histoire de la culture. C'était vraiment un point. L'archéologie, par exemple, avait beaucoup plus d'importance. La connaissance des œuvres du passé exhumées du sol était plus importante que l'art lui-même. Donc ça, c'est une raison qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la question de l'historiographie, pour essayer de voir à quel moment l'œuvre d'art est devenue un objet d'étude. Au début de l'histoire de l'art, c'est-à-dire au XVIe siècle, ce qui intéressait les premiers historiens, c'était que l'art était un moyen de mieux comprendre l'histoire, était au service de l'histoire d'une certaine façon, ou que la connaissance d'un artiste, par exemple à Florence, permettait d'exalter l'image de la ville. Voilà, donc on avait une sorte de fierté de clocher, à dire tel artiste est né à Florence, tel artiste est né à Cologne ou ailleurs. Alors tous ces éléments entrent dans la question de l'historiographie, donc voir comment on a peu à peu compris l'œuvre d'art, appréhendé plutôt l'œuvre d'art, et nous sommes encore aujourd'hui, je dirais, dans cette même tradition de réflexion qui consiste à essayer de comprendre en quoi les œuvres d'art sont quelque chose de spécifique par rapport à des œuvres d'art visuelles, j'entends. Sont quelque chose de spécifique par rapport à n'importe quelle autre production d'esprit, par rapport à la littérature, par rapport à la musique. Elles ont un statut très particulier, ne serait-ce que parce que ce sont des choses matérielles, périssables, donc par définition. Et voilà, ça suscite chez nous, fatalement, un type d'interrogation différent que lorsque nous parlons de musique. La musique ne meurt jamais. Un tableau peut mourir.